Salut YouTube, et bienvenue pour ce quatrième épisode du Let's Play de Resident Evil 2 avec le scénario de Claire sur la route A. On venait d'arriver dans le bureau du FDP de Commissaire Irons. Je crois qu'on a tout pris. Ouais, je crois qu'on a tout pris. Il faut qu'on vide cette merde là. Bon, mais on va voir où est-ce qu'on se trouve. On est là. On est monté par là. C'est bien. Shtak. Il y a deux trucs qui ont l'air fermés là, on va aller voir ça. Ok. Deux c'est mort. En fait, c'est vraiment nul à chier le... l'espèce de dot là. C'est vraiment de la merde. Parfait. Ah. Il faut rajouter un fusible, une merde. Ok. Ah, du plein de bordel. La lettre du réparateur. D'après ce que vous nous dites concernant le système de verrouillage et électronique de la porte à barreaux dans le bureau du chef de la police, il semble que quelque chose doivent être remplacés. Il vous faut des pièces de panneaux électriques pour résoudre ce problème. Justement, un réparateur d'une boutique est au commissariat pour réparer la cloche de l'horloge. Il a emporté quelques pièces et il a dit en avoir laissé une dans la salle de stockage est du niveau 3F. En cas de problème, ou s'il vous en faut d'autres, n'hésitez pas à aller voir le Yus dans la tour de l'horloge. Donc il est dans la salle de stockage est du niveau 3F. Alors. Ok. Eh ben, on n'est pas rendu, Michel. Ça. Tac, une clé. Super. On n'a plus de place dans l'inventaire déjà. Vraiment. Formidable, Michel, formidable. Qu'est-ce qu'on peut foutre avec ce merdier, putain. Dépose ça en attendant. Ok, donc ça, 10 maximum. Okay. Et on va reprendre, c'est quoi qu'on avait foutu, putain? Le livre. Ok. Ok, putain, on est vraiment dans la merde. Petite sauvegarde. Parfait. Bon, on y va. Je crois savoir que c'est vraiment un endroit à la con, là, si je me souviens bien. Ok. Ouais. Sales ambiances, là. C'est fermé de l'autre côté. On peut monter. On va monter, Michel. Oh, il y a encore un merdier comme ça là. Il n'y a pas de FDP, non. Non, non, je veux pas te prendre ça, j'ai pas la place. Donc j'ai quand même. Ça, c'est pas mal ça. Tout à fait. Je crois qu'il y a des zombies là-dedans.
Ah bah c'est ça, c'est dans la salle de stockage est. Ok. Il y a un PD. On va essayer de le... Ah, il est là, le bâtard. Putain de saloperie, t'es mort. Mais non, putain, mais quel abruti, oh merde. T'es mort ou pas? Putain, quel con. Putain. Ah ben, phase de FDP. M'a coûté cher en balle, ça. Tout à fait, je prends. Ok, c'est ça. Putain, ça prend deux places, bordel. Ça, c'est fermé. Ah, mais il y a une porte dans le fond, ok, attends. Putain, y'a un schlass en plus. Ok. Ce qu'on va retourner faire, c'est qu'on va aller se vider de tout ce merdier là d'où on vient là. On fasse du vide. J'ai peut-être pas besoin des grenades d'acide pour le moment. Je pourrais les laisser là. Tranquillement. Ah, c'est tout? Ah, il en manque encore un, d'accord. Bon, au moins comme ça, il est mis. Il prend plus de place dans l'inventaire. Qu'est-ce que j'ai d'autre qui prend de la place là? La grenade, est-ce qu'elle est bien utile? Non. Tiens, ça, j'en ai besoin. Ça. Ah. Je vais lui virer, lui. J'avais des balles aussi, là. On est pas mal, là. Comme ça, je peux prendre le couteau et le merdier, là. Ah, y a la plante aussi, putain, qu'il faut que je ramène. Et non, c'est pas par là.
T'es en haut, putain. J'ai ramené la plante et le couteau. C'est quoi ça? Oui, c'était cette merde. Ah non, ça, le couteau, je le... Évidemment. Et alors, ouais, je vais prendre la plante. Putain, ça en fait des allers-retours, Michel. Hein. Ça en fait des allers-retours pour rien. Il y a de l'ambiance en bas, là, mais on ira voir ça plus tard. On pourrait bazarder toutes les... Tout ça là. Ouais. Je vais déposer pour le moment. C'est mieux ça comme flingue. Alors, on va pouvoir prendre le rouage de ses morts. Voici il était. Il était là. Ok. Et il nous reste une place. Ça on a tout fait. Il y a une terrasse en face là. Ok. En dessous, c'est ça. Et en 1, c'est quoi? Sanatorium. Attends, on va aller voir. On va descendre avant d'aller dans le... Avant d'aller dans le... Sur la terrasse. Ah ouais, il y a de l'ambiance, ça m'étonne pas, Michel. Et il y a toi, là, déjà. Michel, y'a pas d'embrouille. Hein. Ok, laissez-moi sortir. Putain, ça rame dans cette salle, on sait pas pourquoi. Putain, y'a pas la place de... Oh là là. Putain, je t'avais pas vu, toi. T'es vivant, t'es mort, qu'est-ce qui t'arrive? Ok. Oui, tu vas pas bien, hein, donc... Du coup... On va prendre ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Rapport de confiscation, cause de la confiscation, individu surpris dans la pièce suspensionnée. Lorsqu'il est interpellé, il a tenté de fuir en simulant la confusion, mais a été arrêté. Une note en sa possession a été confisquée. Tout le monde sait déjà de qui on parle, mais au cas où, il s'agit de Justin Henson, 39 ans, habitant de la ville, célibataire, habitué de nos cellules. C'est pas vraiment un truand, plutôt un kleptomane vraiment stupide. J'arrive pas à croire qu'il ait tenté de faire ça dans un commissariat. Il y a un morceau de papier dans un sac en plastique. Quoi? Oh putain. Trop de trucs là, bordel. Ouais, là que les trèfles on l'a pas. Hein.
évidemment. Putain, on n'a pas non plus. Bon, je vais les buter. Il y a des trucs intéressants ici. Hein. Je vais remonter au troisième. Parce que c'est au troisième ou au deuxième, non, c'est là. Parce que j'ai tout un tas de merdier que je vais pas utiliser là. Il y a le livre, il y a ça, je peux venir le rechercher après. Ça, je vais le laisser là. Ça, je laisse ça là. Tout ça, je garde. Ok. Putain, les allers-retours de l'enfer, bordel. Oui, toi, je t'emmerde. Putain, il est là, ce FDP. Ok, on est bon. Donc là, si je me souviens bien... Je vais déposer ça. Tiens, 13, bon, bon, là on est bien. Bon, allez, on est parti. Donc, en bas on y a été. Attends, j'ai pas de bêtises. Un F. Ok, on a été dans tout ça. Ok. On est là. On peut rien faire. Faut monter. Là, et aller sur la terrasse prendre l'échelle pour descendre, ok. Évidemment, une plante de ses morts. Ouais, je sais pas, on va la prendre, mais... Ça nous emmerde. Excuse-moi YouTube. Ok, donc on arrive là, on connaît. Ah oui, et on peut pas passer là sans réveiller l'autre FDP. Hein. Pas d'embrouille. Hein. On peut pas. Hein. Pas. Putain, c'est clôturé là, ma mère. On va remonter par là. Ah, putain. Merde. Ah, tiens. Ouais, bien. Fais dodo, t'as raison.
Putain, y'a des plantes de ouf là, putain. Et... y'a rien du tout. Toi, je vais retourner sauvegarder avant Michel. J'ai des trucs à virer là, des plantes, des merdiers, des machins. J'ai plus de place, hein, non. Le rouage, je sais pas si je vais le garder avec moi parce que je crois pas que ça soit tout de suite. Bon, je vais le mettre là. Déposer, je vais déposer ça. Et ça. Ok. Et puis je vais sauvegarder. Mais avant ça, je vais faire une petite pause. Je reviens dans une seconde pour toi. Tu n'auras pas vu que j'ai fait une pause. Très bien, me revoilà Michel. J'étais en train de penser à la route. Et il se trouve qu'on va avoir besoin de ça. Voilà. Bon, on va sauvegarder. Tac. Allez, c'est parti, Michel, on va rusher. Ce grand FDP. Le Mister X de ses morts. Ok. On n'a pas pris de soin, c'est risqué ce qu'on a fait là, Michel. Risqué. Vas-y. Ok. Jesus, stay back. Passe-toi. Ouvre Michel. Qui nous suit là? Ah putain, le bâtard. Ouais. Merde, c'est par où? C'est par là. Putain, non, pas du tout. C'est courrier d'étage. Merde, c'est pas du tout par là qu'il fallait aller. Oh, mais quel con. Ah, je l'avais semé, putain. Putain, faut que je remonte là-haut. T'as raison, ouais. Faire maintenant.
qu'est-ce que je suis con, fallait que je ressorte, oh là là. Merde, il était en bas, putain, oh là là. On a vraiment l'impression qu'il était en haut quand même. Je trace, Michel. Putain, quel canard. Allez, cours, espèce de connasse. C'est là que tu voudras aller, mais est-ce que c'est pas risqué de faire ça, Michel? Je pense que c'est risqué. On va le faire quand même, parce qu'on aime bien. Putain, il entend là cet enculé, putain. Allez, dépêche-toi, putain, donne-moi ça. Putain, tout ça pour ça. Tac. Ok. On se tirera pas très vite, Michel. Ok, on va pouvoir sauvegarder en bas. Oui. Bon, alors là, réfléchissons. Ce qu'on doit aller faire, on devrait aller à la chambre noire parce qu'il y a un truc à faire. On va aller le faire tout de suite. Ensuite, à la chambre noire, on peut monter et on peut arriver au deuxième, passer par les douches et aller direct dans le bureau des stars. Bah, c'est ça qu'on va faire. Après, il y a le salon là. On a oublié de la poudre dans le salon. Et puis il y a la buanderie aussi, ouais. Ok, bah c'est ça qu'on va faire. Donc du coup, on passe par... passe par là, Michel. Ah, te veux l'espèce de bâtard. Moi, je m'en vais. Oh putain, il y a un putain de fils de pute. Intérêt à être mort, il faut qu'on tue les... Enfin, je pense qu'il était déjà mort, mais... Foiré. Il faut que je prenne le... truc là, tac. Qu'est-ce que c'est... Ah putain, bah, là-dedans. Mais non, je préfère ça. Tac. Paf. Ok. Et je veux la péloche. Casier de troisième floor DCM. DCM.
sauvegarde. Là, je croyais qu'il était pas mort ce con là. Ok. Stack. Ok, donc ça donne le machine gun de ses morts. Alors, lettre aux membres du Stars, comment ça se passe au commissariat, vous tenez le coup face aux vieux Irons. Moi, je reviens tout juste d'un rencard avec un avion de chasse, je vous laisse imaginer ce qui s'est passé sous son grand parapluie. L'Europe, c'est génial, à moi ne suffit pas pour avoir ne serait-ce qu'un aperçu. Je vais peut-être prolonger mes vacances de 6 mois. Barry n'envisage même pas de me rejoindre, tu voudrais pas faire peur aux jolies filles, hein. Alors, laisse-les moi. Jill, si Claire essaie de te contacter, dis-lui que je vais bien. Chris Redfield, le... 29 août. Bien. Alors, on l'entend un peu sur la gauche, ce qui m'arrange pas parce que c'est ma destination. Tout n'est pas fini dans le truc des stars, qu'est-ce qu'il y a, hein? Ah, faut que je récupère la clé USB. D'accord. Ben, je l'ai récupéré. Et... Tiens, connard. Hein. Oh putain. Oui. Ok, donc ça j'ai fait. Où est-ce que je dois aller maintenant? Un F. Ah, mais oui, il faut que je retourne là. Faut que je retourne là, d'accord. Je suis où là? À la bibliothèque. On va passer par là. Pas s'il est pas dans ce côté-là, cet enculé. Je crois que ça c'est CAP ou un truc dans le genre. Parfait, c'est quoi qu'il y a dedans? Oh putain. Ouais, vas-y, cours, j'en ai rien à foutre. Ah putain, la salope, putain, j'ai pas mis le coup de couteau, ça, c'était gratuit, non? Putain. Barrez-vous. Putain. Fais chier. Je vais foutre le... Ah bah, ouais, cette merde là, c'est vrai, oh putain. Ça je le ferai plus tard. Quoique non, je suis dans le coin donc je peux le faire. Ça je vais le laisser là.
J'en veux pas. Ça, je vais les laisser là. Ça, on a plus besoin. Stack. Bon, on va faire ça, Michel. Putain, on va encore y passer 2 heures. Examiner. Alors. Putain, quel con. Et merde, chaque fois je me gourre. Tac, 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 tac. Tac, tac. Ok. Allez, parfait. Allez, ça vient de là, hein. Tout ce qui est fait et puis l'affaire. C'est le mot mauvais. Donc il y a l'autre connard. Donc là maintenant faut que j'aille ici pour je crois choper le machin de la... Oui si je me souviens. Il faut que j'aille dans les archives. Et dans les archives, je vais trouver une espèce de manivelle pour aller là-dedans, monter là. Pouvoir passer là dans l'hall principal. Voilà, pour pouvoir passer là et aller dans la tour de l'horloge. C'est ça. Ok, donc comment je vais faire ça? Je fais ça. Tchac, après je sors de là. Donc je vais là-dedans, je reprends ce dont j'ai besoin, je ressors de là, je vais dans le bureau, hall principal, je remonte. Ok, putain, c'est pas simple. Putain, tu m'emmerdes, toi. Putain, m'a gâché mon couteau, cette connasse. Putain. Tu... Toi, Michel, hein. Putain, la saloperie. Là, elle m'aura bien cassé les burnes. Hein. Ah, c'est vrai qu'il y a l'autre Michel qui est là. Oh non, j'en ai rien à foutre de tes histoires. Oh là là. Oh, ça va se finir en lance-flamme tout ça. Putain de merde. Pêche-toi. Ah la salope. Tiens. Putain merde, j'ai pas mis le... Merde. Putain, mais quel con, oh là là. Ah c'est vraiment la scoumoune, la Michel. Bon bah vas-y, prends ça.
Ah, je vous crame. Voilà. Mais le relou, bordel. Putain, il était pas mort, ce connard. Ouais, ben... C'est la merde, Michel. Putain. Ah bah ta gueule. Oh mais c'est pas vrai, je l'ai pas vu, putain. Oh là là. Bande de bâtards. Putain. Culé, putain. Alors. Projet de réparation. Putain, j'ai pas le. Mais merde, mais j'ai pas la. Oh, quoi que j'ai juste à descendre en bas, ouais, c'est pas trop. Pas trop compliqué. Pour aller rechercher le rouage, ouais. En raison de la grande valeur culturelle de la cloche, j'appelle un spécialiste pour les réparations. On verra les détails quand il sera sur place. Mais en attendant, je vais sécuriser la cloche pour éviter un accident. Putain. Je virerai ça. Allez, jette-moi ça. Jette ça. J'ai rien à mettre là. Ouais, non, j'ai rien à mettre là. C'est pas le rouage, putain. Terrible, hein. J'ai pas confiance. Putain mais j'avais pas pris la grande roue mais tiens l'an batté putain. Putain. Ah le deuxième il est là. Ah oui, vous êtes des fils de pute, hein, je vous le dis. Hein. Et non, pas avec ça, espèce de connasse. Damn it. Il est passé où ce connard? Il est derrière, mais casse-toi derrière la porte, putain. Ouais, t'es fâché parce que tu peux pas rentrer, moi je suis emmerdé parce que je peux pas sortir. Si on arrêtait de se fâcher. Putain, l'autre il est derrière la porte, il va m'emmerder, putain. Putain, y'en a un autre en plus. Tiens.
On sait que t'es là, Michel. On va pas t'oublier, t'inquiète. Putain, c'est si fou là, lui. Pour l'instant, tu me dis. Alors, que ça fait la grande poudre noire? Dépose-moi ça, dépose-moi ça. Et prends-moi ça. Et je peux pas sauvegarder parce qu'il y a un Michel, d'accord. M'arrange pas ça. N'arrive pas où l'autre connard. Merde. Putain, mais c'est pas vrai, mais bordel. Voilà. Oui, moi aussi, je suis désolé, Michel. Alors, l'autre, il est où? Il est tellement con, ce connard, bordel. Putain, mais lui. Oh là là, putain. C'est tellement bête de mourir ici, putain. Ah non. J'ai cru que j'aurais pu grapper là. Ça me coûte cher. En plan de cette merde. Ok. Alors. Très bien. Ça passe pas, d'accord. On a compris. J'ai pas vu où est-ce que c'est. Ah oui, c'est là, d'accord. Ok. Ok, donc ça, l'horloge c'est bon. Particulièrement subtil, évidemment. Ok.
Parfait. On a le deuxième. Alors. Putain, oui, aller de l'autre côté, ce serait pas mal, Michel. On arriverait direct. Là, on aurait juste à descendre, on sera à la sauvegarde. Tu peux pas les buter à ma place, ça m'arrangerait quand même. Putain, il l'a fumé. Putain, mais il était pas mort lui. Ouais, on y va. Oh putain, il y en a un autre. Merde, il était là, putain, l'enculé, je l'avais pas vu. Putain. Je crois qu'il était barré. Ok, donc le truc c'est que... Bon vas-y on passe par... Non mais ça m'emmerde de pas, j'aurais bien ouvrir la porte quand même. Je crois qu'il est barré sur la gauche enfin. Est-ce qu'on va attendre le bout d'une porte? Tout à fait. Merci toi Michel. Alors faut bien que je descende et que je fasse pas le con. Hein. C'est descendre que tu veux Michel, hein. Tu veux pas monter, tu veux rien faire d'autre. Ça va, prendre la planche au passage. Voilà. Tac. Et voilà, mission accomplie Michel. Parfait. Je crois qu'on a presque tout fait dans le... Collection blindée, salle d'attente, il reste des trucs, bibliothèque, on n'a pas tout fait, je sais pas ce qu'il reste. Bon, je m'en branle. Il y a ça, mais je sais pas si on peut le faire encore. Ouais, bon. Ça fait déjà 55 minutes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on ira voir ce qui se cache derrière la porte métallique là-bas au prochain épisode. Voilà. Salut les gens!